Bonjour, ben voilà, je me présente, je m'appelle Lionel Giraud, je suis le chef et gérant de la Table Saint-Cressant à Narbonne. Et Nicolas, donc Nicolas Mille, qui est un collaborateur qui est avec moi depuis 3 ans et qui va être avec moi pour réaliser les 2 recettes qu'on va vous présenter. On est sur une particularité, c'est qu'on est sur une saison d'automne avec une richesse dans les produits, des produits que j'affectionne particulièrement. Là, on va travailler sur un plat qui s'appelle le maquereau pomme à l'huile, qui est un plat signature de la maison depuis 3 ans, sur lequel, bien évidemment, on fait évoluer à chaque saisonnalité. Mais l'idée de base, c'est toujours de rester sur de la simplicité avec un maquereau et une pomme de terre cuite à l'huile d'olive. À côté de ça, on a bien évidemment la restauration, la cuisine, en tout cas la gastronomie, ne se marie pas qu'avec de l'eau, mais aussi avec du bon vin. Et là, en l'occurrence, on a avec la sommellerie, on a réfléchi à un vin qui s'accorde particulièrement bien sur ce plat, qui est un Sauvignon qui s'appelle Leval. J'ai choisi ce vin-là pour la simple et bonne raison, c'est que le groupe Baldorbieux c'est vraiment penché ces dernières années à la préoccupation vraiment de produits de qualité. Et on sort, le terroir languedocien, sur toute sa grande partie de sa globalité, sort aujourd'hui des vins qui sont d'une exception rare, on va dire. Et aujourd'hui, on a choisi ce Sauvignon justement pour accompagner la première recette qui est le maquereau pomme à l'huile, qui est un plat signature qu'on a depuis 3 ans et qui évolue à chaque saison, qui change un petit peu dans sa préparation. Mais on reste toujours sur cet axe-là, qui est un maquereau et une pomme de terre cuite à l'huile d'olive. On a besoin donc pour réaliser ce maquereau pomme à l'huile de 3 maquereaux, une recette pour environ 6 personnes, des maquereaux qui font entre 6 et 800 grammes. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on va utiliser la partie du cœur pour bien sûr traiter les filets et la partie glacée. On va utiliser la partie de l'arrière filet et de l'avant filet pour en faire une chantilly et l'autre partie une farce. Les arêtes, on va les conserver bien sûr pour faire un fumet qui va nous permettre ensuite de faire un glaçage pour amener de la brillance sur le poisson une fois cuite pour brillance et fin d'assaisonnement. Ensuite, on va avoir du citron vert, des pommes de terre à chair ferme, un petit peu de crème liquide qui va nous permettre, un, de réaliser la chantilly, deux, de pouvoir préparer la farce, de cornichons, de citron confit, des oignons, oignons frais, je préfère, plutôt que des oignons secs, de la ciboulette, du laurier, un peu de thym et de l'anis étoilé. On a aussi besoin pour cette réalisation de 2 feuilles de gélatine, gélatine préalablement trempée, et de 1 g de agar-agar, qui est une poudre d'algues, qui est un gélifiant naturel et qui va nous permettre de donner de la consistance à notre glaçage. Donc on va déjà lever les maquereaux. Pendant ce temps-là, Nicolas, lui, va éplucher les pommes de terre pour pouvoir les mettre au four. Donc la cuisson des pommes de terre, relativement simple. Une fois qu'on l'a assaisonnée, salée et huilée, on va la cuire à 100 degrés pendant une dizaine de minutes. Ensuite, Nicolas va tailler les pommes de terre à la mandoline. Donc on va avoir une taille relativement fine parce que ça va être aux alentours de 0,5. Nous allons conserver aussi cette partie-là. Nous allons légèrement couper l'avant, nous allons garder aussi. Ça va nous permettre pour faire notre base de chantilly, notre pâte de maquereau en fait, qui va nous servir à condimenter notre crème liquide. Voilà, on va enfourner les pommes de terre, donc au four vapeur. Donc on va déposer les filets de maquereau bien à plat. On va pour ce utiliser la fleur de sel de gruissant. On va la venir ici, et là c'est parti donc pour 15 minutes. Voilà, on en met quand même pas mal, hein. Il faut que ça pénètre bien la chair. Ça va donc nous la raffermir, bien évidemment nous la saisonner. L'étape à venir, maintenant nos poissons sont réservés, ils sont pendant un quart d'heure en train de cuire légèrement au sel. On a nos pommes de terre qui sont en cuisson pendant 10 minutes à 100 degrés. Donc tous les éléments les plus longs sont en préparation. Ensuite, on va réaliser un fumet. Donc là, Nicolas est en train d'enlever donc les tripes que je vous disais tout à l'heure et les ouïes du maquereau. On va faire une ébullition avec les arêtes de maquereau, l'anis étoilé, un peu de laurier, du céleri branche et un oignon. On va porter ça à ébullition, dépouiller, enlever les impuretés. Et à partir de ce moment-là, on va le recouvrir d'un papier film et on va le laisser sur le coin du piano à infuser de façon à ce qu'on ait un bouillon très limpide et aussi aromatiquement assez fort. Ensuite, moi, je vais prendre un petit coup d'avant. Je vais m'avancer donc sur la garniture de la farce
Donc on a besoin pour cette farce donc des parures de poisson qu'on a utilisé ici, de la crème liquide. On va aussi rajouter à ça une feuille de gélatine. Je vais assaisonner ma farce avec le citron confit qui est déjà un condiment qui est relativement salé. On va amener quelques cornichons, voilà, et ensuite de la ciboulette. Là, les maquereaux sont bien nettoyés. Ils ont passé donc 10 minutes sous un filet d'eau froide, pardon. Là, on va les mettre donc dans la casserole comme ceci. On va y mettre un petit peu de vin blanc. On va y incorporer l'oignon qu'on va couper en quatre grossièrement. Voilà. Une branche de laurier, une anis étoilée, quelques branches de céleri et on va recouvrir à hauteur avec de l'eau froide et on va mettre une ébullition. Moi je continue donc à tailler mes petits condiments. On enlève le cœur toujours du citron confit. On peut l'utiliser pour en faire une petite pâte mixée et ensuite nous on va utiliser donc là, on vient de sortir les maquereaux du frigo. Ils ont passé un quart d'heure. Les pommes de terre sont cuites aussi, vous voyez. Elles ont une jolie taille. On va pouvoir utiliser un emporte-pièce pour faire une jolie petite raviole. Donc là, Nicolas va faire un rond, deux ronds, trois ronds. Ça va être nos trois ravioles de base pour ce plat. Vous multipliez, là, ce sera pour une assiette. Après, vous multipliez par le nombre d'assiettes. Si on a fait pour six, vous faites pour six. Et ensuite, on va utiliser la partie du dessus que je vais vous montrer aussi. Pour découper, pour pouvoir réaliser la belle raviole avec la farce que nous avons réalisée. Donc petit récapitulatif sur la farce, on a utilisé donc les condiments qu'on vient de tailler, on a pris un petit peu de bouillon, la chair du maquereau qui était nature, ensuite on a réalisé avec ça donc une pâte, j'ai versé cette pâte là, une partie pardon, pas entièrement sur les condiments, on a réalisé une petite crème fouettée qu'on a collée avec une feuille de gélatine et qu'on a incorporée à la pâte et les condiments. Et là, ça nous a fait une farce que j'ai versée ici dans cette poche de façon à pouvoir faire une jolie raviole. Ensuite, on va rincer les maquereaux. Donc, on a passé donc, un quart d'heure. Vous voyez, ça a bien pénétré la chair. Ça a raidi le maquereau et je vais bien les sécher sur un papier sopalin. On va utiliser donc sur ces filets, rincer, du papier film. Alors, là, on va faire une cuisson nous sous vide. Si vous n'avez pas de machine sous vide, votre papier film est suffisant. Il va falloir sûrement un peu plus l'emballer que ce qu'on va faire là. Bien doubler, tripler l'épaisseur de façon à ce que ça soit bien hermétique. Et vous mettez une casserole d'eau. Vous regardez si vous avez un thermomètre de pâtissier ou un thermomètre classique, vous mettez dedans. Vous regardez grosso modo que vous ne soyez pas au-dessus de 51. Si vous êtes à 48, 40, 50, voilà, ça peut aller. Vous laissez votre maquereau une dizaine de minutes. Si vous avez un four vapeur qui est réglable aussi à 51, ça peut aussi très bien faire l'affaire. Voilà. Et on va donc déposer notre filet de maquereau ici. On va le condimenter, donc comme je vous disais tout à l'heure, avec du yuzu, qui est un agrume japonais. Là, il est déjà en jus. Voilà, on va verser ça dessus. On va zester, à l'aide du microplane, un petit peu de citron vert pour amener du peps. Voilà, on ne rajoute pas de sel bien sûr parce qu'ils ont passé un quart d'heure au sel. Et ensuite, on va venir emprisonner notre filet de maquereau le plus élégamment possible dans notre papier film. Donc pour le montage de la raviole, on a besoin donc d'une spatule, d'un petit papier huilé de façon à ce que la pomme de terre ne colle pas. Et on va poser donc les trois cercles que Nicolas a fait. On a donc mis notre farce dans une poche à douille. Et je vais venir incorporer donc au centre cette farce. Donc c'est une farce bien sûr qui est faite avec de la crème fouettée, une petite feuille de gélatine. Elle a une structure mais il ne faut pas trop la laisser longtemps dehors ou la chauffer parce que forcément elle va un petit peu se liquéfier. Donc là on l'a traitée assez rapidement. Donc ensuite je vais utiliser donc une pomme de terre que je n'ai pas prédécoupée à l'emporte-pièce. Et je vais y faire donc deux bandes comme ceci et utiliser une autre pour en faire une troisième bande. De façon à avoir un montage régulier et une raviole qui soit bien collée, on a besoin donc d'avoir trois étapes. La première étape, c'est de venir coller la partie extérieure de la raviole, de la pomme de terre du fond. Ensuite, on a besoin de venir déposer au milieu une autre partie de façon à bien continuer à coller et aussi pour avoir de la mâche et de la texture. Et on va poser la troisième partie
ici. Et on va réemporte-piécer au centre pour avoir une raviole régulière. Voilà. Là, donc, on a une raviole qui est épaisse, avec des pommes de terre translucides, voilà, avec un joli strat. Et ensuite, on va venir condimenter avec une petite pointe de caviar, ou si on n'en a pas, on peut prendre des œufs de limpe, ou on peut prendre d'autres choses si on a à la maison, ou tout simplement le laisser naturel, comme ceci, et rajouter quelques petites herbes végétales, de façon à amener un peu de goût, un petit coup de moulin à poivre, et le tour est joué. Et là, je vais aller récupérer donc mes maquereaux qui ont fini la cuisson. J'ai récupéré. Donc vous voyez, on est on a cuit bien sûr sous vide. Une fois la cuisson réalisée, on l'a tout de suite mis en glace de façon à obtenir un choc thermique qui permet de refroidir très rapidement de façon à ce qu'il n'y ait pas de prolifération microbienne. Ça nous permet aussi d'avoir une conservation un peu longue. Si vous ne le mangez pas le soir, vous pouvez facilement l'utiliser le lendemain sans aucun problème. Ensuite, on va donc ouvrir nos filets. On va faire notre sac, on va extraire le yuzu, voilà. Enlever le papier film. Là, il faut aller délicatement, hein, parce que le poisson est quand même fragile, même s'il est cuit. Et là, je vais venir tailler le cœur du maquereau. Voilà, donc on a taillé nos cœurs. Donc vous voyez, notre poisson est translucide, donc il est cuit, mais il est bien évidemment juste cuit. On va déposer ça sur une plaque. Cette partie-là, on la garde, toujours pareil. On peut l'incorporer encore dans notre farce, c'est ce qui va arriver. Et le reste, bien sûr, on fera la chantilly. Donc là, on est sur la partie finale. Donc on a récupéré nos ravioles qui sont sorties du frigo. Ensuite, là ici, le bouillon qu'on a filtré, donc dans lequel on a incorporé le yuzu, donc j'ai détaillé la recette, vous aurez 100 g de bouillon, 10 g de yuzu, 1 g de agar-agar mélangé, porté à 80 degrés. À partir de là, ça va vous faire une gélification. Tant qu'elle reste à 80 degrés, elle sera toujours liquide. Dès le moment où vous allez délicatement la verser à la cuillère sur vos filets de maquereau, vous allez obtenir donc ce glaçage brillant, voilà, qui sert aussi d'assaisonnement et de condiment. Donc là, on a pris une assiette creuse qui ressemble un petit peu à la couleur du poisson, une assiette creuse bleue. On va les déposer linéaire. Là. On va venir déposer nos filets de maquereau. Une petite quinconce comme ça. Voilà. À ça, on va zester sur le dessus, petit rappel sur le zeste de citron, toujours pour la dernière note de fraîcheur. Je vais venir déposer 3 grains de caviar au centre des ravioles. Comme ceci. On va incorporer des herbes aromatiques. Alors, ce ne sont pas des herbes qui sont là juste pour faire pour de la décoration, ce sont des herbes qui ont un intérêt. Donc on va utiliser la salicorne qui va amener ce côté iodé, cette eau de mer, cet axe marin qui est nécessaire à ce plat. On a pareil les doigts de sel qui est une plante aromatique qui est très juteuse, pareil sur des axes très marins. On a bien sûr la bourrache. Que tout le monde connaît. La bourrache, elle a un goût prononcé d'huître, elle est assez proche de l'iode. J'enlève la petite feuille d'en dessous parce qu'elle a tendance à déranger les gens, parce qu'elle est un peu piquante et tout. C'est vrai qu'elle est prononcée aussi en iode, elle se mange sans problème, mais dans un axe de confort de dégustation à la clientèle, je vais l'enlever. Ensuite, je vais utiliser l'oxalis, donc deux forces d'oxalis. Donc on est sur des notes très acides qui vont ressembler un petit peu au jus de citron. Donc là aussi, ça va nous permettre d'assaisonner nos pommes de terre. Donc j'ai l'oxalis pourpre, l'oxalis verte, qui sont deux notes acides qui sont assez similaires. La seule différence, c'est que là, on va jouer sur le jeu des couleurs. On a ici une petite herbe que j'apprécie également, qui s'appelle la chira. Ça, c'est une herbe qui est aussi typée très citronnée, mais plutôt sur le zeste. On est comme si on croquait dans un zeste de citron vert. À ça, je vais amener du fenouil sauvage, la pleine période. Une note de mandarine, toujours sur la grume. Donc ça, c'est la tagette mandarine. Voilà, esthétiquement pour la couleur. Et ici, je vais venir découper quelques petites branches de marguerite. Donc là, l'assiette est presque terminée. Ce qu'on va mettre au dernier moment,
ça va être donc la chantilly qu'on a réalisée tout à l'heure. Donc je refais un petit point sur la chantilly, le maquereau mixé avec un petit peu de jus, assaisonné. On a incorporé la crème liquide à l'intérieur, une petite feuille de gélatine. On l'a mis dans le siphon, on a mis deux cartouches de gaz, on remue bien. Et là, on va amener de l'onctuosité à cette préparation avec donc notre chantilly au maquereau. Comme ceci, je remets un petit zeste de citron sur mon écume. Je vais venir emprisonner donc ça sous cloche et on va venir fumer au bleuet d'Égypte. Donc là, c'est un gadget. Bon, on a une pipe à fumer. Si on n'a pas ça, on allume un peu de bleuet d'Égypte sous la cloche et on fume à l'intérieur de la cloche. Donc là, on va allumer. Donc pour accompagner ce plat, on a quelques petites minutes à laisser le fumet bien pénétrer tous les arômes. On n'oublie pas qu'on a quand même de la matière grasse, qui est l'huile d'olive. Le gras capte les arômes. Donc là, on va avoir vraiment un côté très subtil sur le buet qui va vraiment se déposer sur la pomme de terre. Et pour accompagner ça, donc on a la fraîcheur du Sauvignon, le Val, qui est du groupe Val d'Orbieux, qui a une atypicité un petit peu sur l'agrume, donc qui correspond très bien à ça. Mais le sommelier va nous faire un beau commentaire sur ce beau vin. Bon appétit. Mesdames, Messieurs, la cuvée Le Val, fleuron de la sélection des parcelles des jardins du Val d'Orbieux, coopérateurs narbonnais, qui sont associés donc pour cette cuvée et toute la gamme à différentes personnalités du vin, viticulteurs et autres œnologues. Donc là, je vais vous proposer la dégustation de ce 100% Sauvignon Blanc, classifié en IGP Pays d'Oc, indication géographique protégée donc de notre sud de la France. Donc un Sauvignon vraiment très typé, sur des notes d'agrumes, de citron kumbaba, également citron vert et pamplemousse rose. Donc ils vont amener vraiment beaucoup de fraîcheur sur l'aromatique. Également donc quelques notes minérales, on va partir sur des notes de silex, très typées, qu'on retrouve dans le sancerrois. Donc en bouche, on va avoir vraiment une attaque très fraîche, très fine, avec énormément d'équilibre qui va évoluer vers un milieu de bouche très minéral. On va repartir donc sur ces notes de silex, pierre à fusil qu'on retrouve également dans les appellations d'Alsace. Ces notes également d'agrumes qui vont être vraiment la colonne vertébrale de ce vin, sur le citron kumbaba encore une fois. Et également donc cette fraîcheur qui va venir pallier donc à la salinité de ce plat que l'on retrouve également dans le vin. La crème présente également dans le maquereau qui va présenter ses notes de citron sera contrastée et à la fois équilibrée par ce vin-là. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une très bonne dégustation.